Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis, là où il y a des belles nanas, des belles aventures et des belles plages. Pense à ton pays. Vas-y, vas-y, mon grand, donne de la joie à ton cœur. La vie, ça passe ou ça casse. Tu sais, chérie, comme je te disais, moi, j'adore être avec toi dans des endroits calmes, comme ici, quoi. Tu vois, là, on pourra bien discuter. Bon, puisqu'il m'a resté quelques jours ici à Majunga, je vais repartir à Mayotte. J'aimerais bien que tu me dis qu'est-ce que tu veux que je fasse comme cadeau pour toi. Comme cadeau, tu dis? Ouais. Bon, puisque tu me le demandes, je vais en profiter. Tu vois, bébé, jusqu'à maintenant, je vis toujours avec mes parents parce que je bosse encore. Et lorsque je sors, bon, j'ai du mal à trouver des excuses chez moi. Et c'est pour ça que j'aimerais bien vivre ailleurs, quoi. Avoir une maison en moi ou bien louer une maison. En fait, j'ai vu une maison là-bas, près de la plage. La corniche? Oui, exact, la corniche, c'est une très belle maison avec une vue superbe. Je te jure, tu vas adorer. Si tu veux, je loue ça pour toi. Tu veux rester pour moi? Oui, bien sûr, chérie. Je te dis que tes désirs sont des autres. Tout ce que tu veux, je le ferai. Merci. Voilà. Donc, si ça te dit demain, je t'appelle, on va aller voir la maison. D'accord, ok. Dans la matinée, oui. Ouais, dans la matinée, on va aller voir la maison. D'accord? Il y a aucun problème. Wana medetu mani haya se watu wakani haya zi doma ore na vonem kana baraka ah mwanzani na uvu moja karalisha wawe de mlezi mwema haya udaili ya maore haya maya tu ya na wawe maore na ndembeli ah mwanzani na uvu moja karalisha. Bonjour mademoiselle, ça va? Ça va. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oh, ça va. Qu'est-ce que vous prenez? Juste un coca. Ah, un coca? Ah, d'accord. Coca, s'il vous plaît. Vous êtes d'ici? Non, non. En fait, moi, je viens de Moussibé. Et mes parents m'ont envoyé ici pour continuer mes études. Et vous, vous êtes d'ici ou vous êtes étranger? Oh, moi je peux dire que je suis étranger, je suis maoré. Je suis ici juste pour les vacances, 3 semaines, pas plus. Et dites-moi, tu fais quoi dans ta vie? Tu travailles ou... Ah, bien sûr que je travaille. Tu sais, à Mayotte, je suis chef d'entreprise. Je suis parmi les plus grands entrepreneurs de Mayotte. C'est mon entreprise qui construit le nouvel aéroport de Mayotte. Ben oui, hein. Cela veut dire que j'ai vraiment de la chance de manger avec une autre personne à côté de Mayotte, alors. Ah, bien sûr, hein, bien sûr. Vous ne me croyez pas? Si, si, je te crois. Ah, d'accord. Regarde ma tête. Ah. Pas de cheveux. Vous savez, à Mayotte, si jamais... Il y a une personne de Mayotte, un mec qui te drague. Regarde d'abord la tête, tu le ventes. Si il n'a pas de cheveux ou il a un gros ventre, ça veut dire qu'il a de l'argent. Ah bon? Oui, à Mayotte, c'est comme ça. Mademoiselle, j'aimerais te parler sérieusement. Ben, ça concerne quoi? En fait, je suis venu ici avec un ami, il s'appelle Mzé. Mais le but de mon voyage... C'est pour venir voir et passer un peu de vacances avec ma copine, parce que j'ai une copine d'ici. Mais hier matin, ce qui s'est passé, franchement, c'est horrible. J'ai surpris ma copine avec mon meilleur ami qui est venu ici avec moi dans sa chambre. Mais non, sérieux? Franchement, j'étais dégoûté, dégoûté, dégoûté. J'ai plus envie de revoir cette fille. Et en plus, chaque mois à Mayotte, j'envoie des sous ici. Ça fait déjà presque un an. Chaque mois, j'envoie des sous ici pour elle. Tout ce qu'elle veut,
tout ce qu'elle veut, j'envoie, il n'y a aucun souci. Et j'ai pris ma décision, avec elle, c'est fini. C'est fini, vraiment, c'est fini. Je t'ai vu passer là, j'ai vu, franchement, cette fille, elle me va très bien. Mais bon, là, je te dis ça parce que, franchement, je ne te cache pas, tu m'intéresses. Et je te propose, si ça ne te dérange pas, bien sûr, d'avoir une relation sérieuse, hein, très sérieuse avec moi. Mais non, ça ne me dérange même pas. Ah, là tu me rassures. Ben, tu ne me laisses pas de temps pour réfléchir. Mais si, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais est-ce que possible que demain, dans la journée ou le soir, tu viennes à mon hôtel pour qu'on puisse en parler davantage? Et pourquoi pas dans un autre endroit? Non, tu sais, là-bas, c'est tranquille, c'est vraiment tranquille. J'aimerais bien que tu viennes là-bas comme ça, on pourra en parler tranquillement et voilà. Ben... C'est bon? Ok, d'accord. Mwanzani, na uvu monja karalisha, wawede mlezi mwema, haya. Chérie, amani yangu ivo, wamita umbwa na wawe, wala tafungwa na wawe, tibende usini songe, wanifanya dori la shenge. Usini songe rodude, amani yangu ivo.